Bonjour les bâtards et bienvenue sur Under the Matrix où la dernière fois nous nous étions laissés à sauver Ghost des mains du Mérovingien après avoir roulé la pelle de notre vie à Perséphone. Y'a quelqu'un qui est en train de se toucher là. Enfin bref, on avance dans cette histoire incroyable qui est Matrix du côté de Niobe et Ghost qu'on ne voit pas dans les films. Ou très peu. On a des allusions aussi dans... Je crois que dans les films, ils en parlent de Ghost. Oh! Mais c'est les deux tourtereaux, venez là! Oh! Tiche! J'adore ce que tu es à la con où tu regardes pas ton adversaire, quoi. J'espère que si un jour je fais Ghost, ce sera pas les mêmes mouvements. J'espère qu'ils vont changer les mouvements. Que ce sera pas répétitif, quoi. Là, c'est normal, ils ont des mouvements... Ouh! Qu'est-ce que tu fais? Ah, bien joué, bien joué! Ah, faut les mettre sur les prisonniers. Ok, vas-y, chope-le. Vas-y, je me casse. Bien joué. On se casse! Let's go! Ok, les prisonniers sont là pour s'occuper des mecs. Pas de soucis. Donc je me barre avec Bibiche. Let's go! On fonce! Ok, nice. Petite grenade. Cassez-vous! Wow! Calmez-vous sur le sound design, putain! Oh, le volume qui est complètement tarabiscoté. Putain, j'ai vraiment sorti ce mot. Alors, eux, c'est Cain et Abel, donc c'est les deux frangins, quoi. Et deux frangins. Il y a pas une histoire d'ailleurs dans Bloodlines, dans le jeu Vampire Bloodlines qui sortira, il y a le 2 qui va sortir bientôt. J'ai un peu peur. Hein. Où le premier des vampires c'est Cain ou un truc dans le genre. Ou même dans Blade, je crois. Non, je sais plus. Oh, le Mérovingien avec ses clés. Le maître des clés. Pardon. Ah ok, et après il va se faire sauver par Neo, d'accord. Ok. Putain, c'est vraiment la même chose que le 2. Alors ça va être trop lourd de les affronter eux. Wow, le son, calme-toi. J'adore leur demi-calvitie à eux par contre. On en parle pas, mais j'adore la demi-calvitie quand même. Bon voilà, bon le son il est encore déglingué, hein, vous connaissez, hein. Putain, j'en ai marre de ça. Le son qui est super fort, super faible à certains moments, qu'est-ce que c'est relou. C'est pour ça que j'ai un peu peur de faire la deuxième partie avec Ghost à cause de ça en fait. J'ai pas envie de me reprendre ce côté-là, c'est chiant. Le chargement course poursuite. Can you hear me? Ouais, là c'est super fort, voilà. Putain, c'est derrière yes, moi. I can get you out of there. Bah let's go, attends, comment on peut changer? Merci, je préfère cette vue, merci. Et une autre route qui pourrait marcher, bah let's go, on va aller là-bas. Moi je suis la boussole. Et là je t'entends à peine mec. Je comprends que dalle. Est-ce que si j'étais dans le cockpit tu l'entendrais mieux le bonhomme? Je sais pas. Ah c'est la scène de voiture comme dans le 2. Je sais pas qu'il y a les deux gugus qui sont en train de me suivre. Oh la vache. Il faut que j'aille où? C'est bien beau, mais moi, il y a la boussole qui me dit rien. Ouch! Faut aller où? Ah, peut-être en bas, là? Ah, là, peut-être, ici. Casse-toi, le cataxi, là. Putain, oh, ça me rappelle Driver. Oh, les mauvais souvenirs. Je vous remets sur Driver, si vous voulez savoir pourquoi de quoi je parle. Le premier du nom, hein. Surtout quand il faut sauver le président. Oh la vache! Cassez-vous! Ghost sort! Bombardez ces fils de Yosh! Vas-y, rentre! On sort de cette merde! L'autoroute, il est où? Où est cette putain d'autoroute? C'est chasse qu'il y a des piliers ici, c'est casse-couille! Par contre, ce jeu, il se passe vraiment toujours de nuit quand on est à l'extérieur. Hein. Un peu chiant.
C'est très sombre comme jeu hein, quand j'y pense. Hein. Ah bah lève-la les deux Gugus. Je te transférerai les données sur ton GPS. Alors merci. Mais où je dois sortir, c'est la réelle question. C'est au milieu, c'est quoi? Ok, tout à l'heure ça me disait d'aller là, maintenant. Attends, il a changé encore la. Putain, il a changé encore la boussole. Non mais sans déconner, j'ai envie de lui mettre des mandales. Ok, faut aller nouveau en arrière. Oh c'est chiant. C'est trop chiant. Ok. Ok, c'est ici. Parfait, ça me va. Je sais pas si j'avance hein, en vrai, je. J'arrive pas à me repérer dans ces tunnels. J'arrive pas du tout à me repérer. Faut juste que je sorte de ces tunnels à la de mort, ce serait cool. Non mais. Même à Paris, y'a pas des tunnels aussi grands, je crois, non? Bon, rassurez-moi. J'en sais rien, mais. Ça fait pour moi, c'est. Oh putain. Oh les taxis, non, pas les taxis! Pas les taxis, s'il vous plaît, je connais trop les taxis. Pas les taxis. Ah cool! Je vois la lumière du jour. Enfin on voit le jour. Ah ok, c'est ici. C'est ici qu'on sort. Nice. First try, motherfucker. Oh comment c'est pixelisé. Incroyable. Operator. Is the exit clean? As vestal as my bunghole. I'll see you soon. Nickel. Je crois qu'on s'est pixelisé. Là, c'est le natif. Hein. Parce qu'en fait, sur l'émulateur, ils ont pas pu faire avec la cinématique. Avec la cinématique. L'extrait de film, je pense. Les cinématiques plus l'extrait de film, ça l'empêche. Ah, ok, c'est bon. Nickel. C'est pour ça que c'est aussi pixelisé. Oh bah nickel, on est à Sion maintenant. C'est Zion Control to the Logos. Gate 3 est standing down. Your path is clear to Bay 2. Welcome home. Thank you, control is good. J'aime bien comment c'est super futuriste là dans leur zone de contrôle et après regardez c'est complètement déglingué. C'est quand même beau Sion. J'aime bien moi. J'aime bien ce système. J'aime bien cette ville en fait. Elle fait un peu pas cyberpunk mais. Morpheus, I wouldn't be unhurried to get back here. What do you think the commander will do? De Blade Runner un peu dans les souterrains de Blade Runner. Oh putain, papa, je vais te déglinguer. Hein. Voilà, c'est mon genre de repos, merde. I need a moment with you. J'insistais sûr que c'était lui. I literally just walked in. Please. Voilà. J'ai eu les termes là. Casse-couille le père. Eh bien, je viens d'arriver, laisse-moi me reposer, bordel. Incroyable. I presume that you were present during this latest act of insubordination. I was. You were in charge of the recall. How could you let this happen? What do you expect me to do? Shoot him? Yeah, you'd save me the trouble. Jason, you can on have voit my pas testimony. Ça pendant les films. I don't want your testimony. What c'est génial. Your help. Ça complète tellement les films. All right. Ça me fait un peu penser comme X-Men que j'avais fait sur la chaîne il y a longtemps. Tell me why. Il y a vraiment longtemps. Why does he do it? Is it because of us? No, it has nothing to do with you or me. Morpheus does what he believes he has to do. Then I'll do what I have to. You can't. Why? Because you need him. The hell I do. Jason, can you honestly tell me what went through your mind when you saw the tape from the Osiris? Exactly. I thought the same thing. Anybody from this city would. Every damn one of them. Except him. Morpheus believes we will win this war. He makes other people believe it too. And that's why you need him. Bah, c'est un prophète, hein. Do you need him? C'est une sorte de prophète, hein. All I need is a hot shower and something to eat that requires Morphée, teeth. Thank you for your candor, Captain. Anytime, Commander. I see you tonight after the gathering. Of course. Putain, c'est la première fois que je le vois sourire. Incroyable. Ah non, c'est pas son père, je crois. C'est encore. Je crois que c'était son père. Je toujours cru que c'était son père. No. J'apprends des choses. I'm just tired.
Ah, je crois que c'était Morpheus qu'elle kiffait. Dans les films, tu les vois. Après, je sais pas. J'ai jamais compris. C'est quoi, alors Morpheus, c'est son frère? C'est quoi le délire? Je comprends pas. Expliquez-moi. Je comprends pas. Parce que tu les vois dans les bras de Morpheus, moi, à la fin. Donc lui, c'est son amant? Putain, mais je comprends que dalle. Expliquez-moi, j'ai pas compris Matrix. Je l'ai vu au moins 7 fois dans ma vie, j'ai pas compris. Faites les jeux, vous comprendrez mieux. J'ai toujours cru que c'était son père. Putain. J'ai toujours cru ça. Aïe, aïe, aïe. Finalement, on apprend des choses encore. Hein. Même après 20 ans, à regarder les films. Faut jouer au jeu pour comprendre un peu mieux. Je comprends pour encore plus maintenant pourquoi il les laisse pas. Mais j'aurais préféré que ce soit son père quand même. Who the hell are you? I am Seraph, guardian of the Oracle. Seraph. Is that right? I can take you to her. But first, I must apologize. For what? C'est la même chose que Neo. C'est la même chose que Neo, bordel. Use! Oh là là, on va passer cet épisode à regarder un film. Nice! Use! Vas-y, fous-lui une patate! Oh, il se défend bien le Renoir, hein! Vas-y, vas-y, fous-lui une mandale, la Sarah. Vas-y, moi je crois au noir, vas-y. Vas-y, noir, ouais, vas-y, voilà! Putain! Use! Voilà, stylé! Allez, montre-lui qui a la plus grosse queue. Je me laisse aller, excusez-moi. Bah oui, je sais bien, c'était sûr. Incroyable, incroyable. Putain, c'est plein de cinématiques qu'on n'a jamais vues. Et ça, tu me l'as fait à chaque fois. Moi aussi, je l'ai fait aujourd'hui. Il succeed. There are so many factors between here and there. There are so many choices and so much fear. Niobe, I have something to tell you. There's a strategy to counterattack the machines using the ship's EMPs. How many ships? All of them. Except yours. Ils ont fait des choses. I convinced the council that the logos was too small, the EMP too weak to have an impact. That's not true. Maybe, but it's done. L'épisode va s'appeler Jason. Les scènes du film qui manquent. Same as every captain. No, you're not the same. You're the woman I love. Ah, c'est ça, c'est bien son amant. J'ai compris. Mais putain, mais c'est... J'ai toujours cru que c'était son père, ça me tue, quoi! J'apprends ça que 20 ans plus tard! I couldn't let you go, Niobe. I just couldn't. Et quand tu la vois dans le 4, elle est passée lesbienne. Si je me souviens bien, dans le 4, elle est lesbienne. Donc elle est bisexuelle en gros. Eh t'as ça c'est vrai en plus. Ça veut dire que Niobe est bisexuelle, d'accord. Je comprends pourquoi elle a pu embrasser Perséphone sans problème. Oh là là, incroyable bordel. Oh putain, c'est pas ma guerre. On la retrouve Rambo, c'est bon, on la retrouve la Rambo Niobe là. What? I told you, all we're gonna do is jack in, contact the Neb, find out what's happening in Jack. Le Neb, c'est Nebuchadnezzar. Any questions? No? Comme ça, vous le savez. Good. Then move like you got a purpose. C'est comme ça que j'appelle mes vaisseaux d'ailleurs sur Master of Orion, un RTS que j'aime bien. Enfin, RTS. Operator. Plutôt jeu de gestion, mais j'aime beaucoup. We've been sent to bring you in. I need to talk to Morpheus. Je fais quelques parties de temps en temps. Where is he? Just follow the sirens. Assez dur à maîtriser au début, mais après c'est vachement classe, Master of Orion. J'aime bien, moi. Oh là là, la big... Oh ça! Des muscle cars comme ça, moi je kiffe, hein. Putain! Ah, c'est le passage où on va sauver Neo! Enfin, Morpheus, du camion! Mais oui!
Oh putain, c'est génial! T'as juste à suivre les sirènes. Incroyable, putain! Mais oui! C'est le moment où tu vas sauver Morpheus du camion! À la poursuite de Morpheus, mais oui! Oh là 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 là! Oh, c'est génial! Mais putain, alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai vu. Je l'ai vu ça, il y a peu de temps. Il avait critiqué le jeu, mais en vrai, il est trop bien! Alors oui, il y avait un moment, il a critiqué le moment où c'était super noir. Après, le jeu, en vrai, il est trop bien! Je déconne pas, moi je kiffe, hein! La Pontiac! Vas-y! Ah, je suis dans le jeu là. Ça c'est trop bien ça. Où ça de ma route. Ok, on entend pas le son de l'arme à feu, c'est pas grave. Hold on, I think an agent's close by. Make that agent's close by. En même temps, les agents ils peuvent être n'importe où, mon gars. C'est le problème des agents dans Matrix. Oh, calme-toi derrière là. Ouf. Eh. Ça va pas les flics aujourd'hui, eux. This could be a problem. Oh merde. Destroy them. Là derrière, ils sont derrière. Oh putain. Oh péché, vas-y gosse. Défonce-les. Je crois en toi. Par contre, Ghost, t'as un problème, on t'a mal matérialisé dans la matrice, t'as des trous dans la tête. Ah, c'est parce que j'ai pas assez de ménage pour. D'accord, on va pas juger. Vas-y. Je le sens pas. J'essaie de regarder un peu derrière moi. Mais moi, j'aime bien parce que ça fait disparaître les voitures de temps en temps devant moi quand je fais ça. Ok, c'est mon Ghost. Tire. Bon, par contre, y a pas le son des armes, c'est normal. Oh, c'est pas grave, hein. Mais quand même. Bon, la musique, c'est bien. C'est déjà ça. La pollution, putain. Je vais le finir la pollution, bordel. Incroyable. Ah, ça, vous savez, là, en voyant le JPEG en fond, ça fait penser aussi à la démo qu'on a eue de l'Unreal Engine 5. Vous vous rappelez sur... Oh, j'aurais tellement aimé avoir un jeu comme ça. Sur Matrix. Avec le Unreal Engine 5, ça va être une dinguerie. Je sais pas si un jour Hiro Ibotron Matrix. Oh, je pense. Matrix fait partie quand même d'une trilogie les plus cultes du cinéma, quoi. Un peu au même niveau que Jurassic Park. Ah, peut-être pas. Mais j'en reste pas quand même un petit niveau supérieur. C'est Spielberg après, hein. Mais en vrai, ce serait génial. Ok. Il est où le camion là? Il est où le capteur encore? On le voit pas, hein. En tout cas on a pas les deux Gugus là, avec leur demi-calvitie là. On n'a pas les demi-calvitie, c'est bon. Ah, excusez-moi, mais quand vous les regardez vraiment, ils ont un front mec de 3 mètres. T'as un problème contre les gens? Non, pas du tout. Pas de problème contre les mecs qui ont des fronts de 3 mètres. J'ai vu Sakura de Naruto, t'inquiète. C'est bon, j'ai été rodé quand j'étais gamin. Comment sens-tu que tu s'accourras dans un retour? À la foutre! À la foutre! Ah bah bref. Bon, ça va être chiant de meubler pendant 3 heures. Mais par contre, en vrai, si tu tires des nerfs, mon gars, c'est comme le NFP qui essaie de mettre des nerfs chez les flics, quoi. J'en rigole, mais c'est tellement vrai, quoi. Ah, j'aimerais tellement voir les flics avec des nerfs, ce serait tellement marrant. Ça serait complètement con, mais putain. We must return to the primary target, the exile. Merde. C'est bon, j'ai mis la caméra, cool, nice. Alors je vous rassure, la petite bande noire en bas, c'est normal, hein. C'est moi aussi, je l'ai, hein. Je la vois sur le stream, vous inquiétez pas, la bande noire et tout, c'est normal, hein. C'est, là on est vraiment sur le 9ème du jeu, hein. Non mais vraiment, j'ai l'impression de tirer avec un nerf, quoi. Ça fait pas de bruit, le bordel. Nickel. Ok, non mais des mini cinématiques juste pour dire ça, c'est cool. Où le captain? Je suis à 50% de ma vie par contre, hein. Non. Feu.
feu. Fuck. Bon, par contre, on va faire une petite save parce que ça fait un moment, j'ai pas envie de mourir à ce moment-là, d'accord? C'est juste au cas où, hein. C'est juste une petite save, j'en fais rarement, surtout PS2. Hein? C'est quoi ce système à la con? Save? Ouais, le save slot, ok, il y avait un save to file, ok. C'est nouveau, hein. Heureusement qu'ils ont mis ça. Hey, le PCSX2, depuis qu'ils l'ont amélioré, c'est génial, hein. Avant, je me rappelle quand j'avais commencé à faire les vidéos sur l'explication. Ok, j'ai cru que j'avais perdu. Sur l'explication de comment on réglait sur PCSX2 à l'époque, vu qu'elle a été changée, c'est un peu plus facile à manipuler maintenant. Faudra que je refasse une vidéo de ça d'ailleurs, mais je pense pas, j'ai pas trop le temps. Elle est vieille maintenant la vidéo que j'avais fait. 2 ans, je crois. Yeah. I can't hear you. I said, can I have your personal processing unit? Tu veux mon cerveau? Ah, parce que... Ah oui, d'ailleurs, je vais en parler de ça. La différence entre un humain et un robot dans l'avenir ne sera que mécanique. Hein. Vraiment, parce qu'on fonctionne pareil. En tout cas, vu que là, ça fait 21 minutes, 21 minutes, on a eu beaucoup de cinématiques, tout ça. En tout cas, je vous laisse sur ceci. On vous souhaite un agréable journée, une bonne soirée, bisous, c'est Xana sur Under the Matrix et tchou!